Bonjour tout le monde, enfants. Aujourd'hui, nous avons un papier qui est assez intéressant. C'est Cambridge IGCSE, novembre 2020, papier NN. Correct, il est à 10 ans. Et là, qui nous était première question, nous avons une question que nous avons put un tics. Ok? Allez, il arrive, vous essayez. Thibaut, qui étaient vos enfants? Diafo? Input, sensor. Non. Sensor, input. Qui fait? Le sensor, il collecte l'information. Il y a foi dans le microprocesseur. C'est-à-dire input. Si on a les cas écrits, dans l'écran, les cas écrits. Hein? Voilà. C'est-à-dire keyboard, l'input. Sensor, l'input. Parce que le sensor est un input device. Automatic input device. Et il y a foi dans le données dans le microprocesseur à travers tout ADC. Et si sensor input, actuateur il va out, output. Ben cutter, il va non cutter li, qui est dit, déjà ma cutter, une affaire qui peut couper. Cutter, printer, monitor, tout ça là qui est ça. Out, output. Correct. Scanner, il peut scan, li input. Microphone, li input. Hard disk drive, HDD, li storage. Ok? Allez, ne corrige, ne get réponse de n'importe Cambridge maintenant. Voilà. Ok, moi zoom in. Si je ne sais pas comprendre ce que je dis, hein. Keyboard input ça. Parce qu'il y a voix data dans le microprocesseur. Send data to the microprocessor. Sensor, il send data to the microprocessor. Et cutter, il y a output. Du coup, un printer pas coupé, cutter. Il y a 3D cutter aussi. Right. Il y a 2D cutter, 3D cutter, sur la. Scanner input, microphone input, hard disk drive storage, right? SSD storage. Maintenant, nous prenons l'autre question. Là, bon, là, je vous ai fait un petit calcul. Hein. Ron is attending a music concert. He has bought 3 tickets. Each ticket is displayed in hexadecimal. Ça lit en hexadecimal. Complete the table. Il y a 0,28. Je vous ai fait living binary avec dinery. C'est travailler vite vite nous poser. Il y a un hexadécimal, comment te faire une binary? Bon, chaque hexadécimal digit, je vous ai connu, chaque hexadécimal digit, il est converti en 4 chiffres binaires. Ok? Chaque hexadécimal digit, il est converti en 4 chiffres. Ouais, ça, 0, 0, bien bon. Ouais, 1, 0, bien bon, ça, deuxième groupe. Et 1, 8, ça, bien bon. Les enfants qui écrivent là, les lignes bien écrites. Ça 4 0 là, ça 0 là, allez, nous répondons. Ça 0 là, il écrit sur 4 0 là, parce qu'il est 4 binaire, voilà. Et ça D là, voilà 0, N, N 0, c'est-à-dire 1, 2, 4, 8. Ça 4 là, voilà. L'autre là, 8, 0, N, D, 4, voilà, très bien. Maintenant, les convertir en dinerie. Allez, fais-le en dinerie. 1, 2, 4, 8, 16, 30. 30 plus 8, comment faire? Correct. Tu vas mettre sur heading 1, 2, 4, 8, 16, 30. C'est-à-dire 8 avec 30. 40, bien bon. Allez, l'autre. C'est un autre, un enfant qui peut écrire. 9. Allez, 9 là qui te peut écrire. Là. Commence par là. 9. Allez, 9 c'est 8 avec N. Bien bon. Bien bon. Ah, ça, 8 avec N fait 9. L'autre. A. A c'est quoi? 10. Allez, écrire A. 10. 10 c'est quoi? 8 avec D. Bon, un là, tu dois coster un petit bon, allez, pas grave. Ouais. Allez, on vient comprendre là. 8 avec D. Ok. Je vais dire 1, 2, 4, 8. 8 avec D. Et l'autre là, N, il est là. Maintenant, c'est bien convertir ça en dinerie. N, je vais prendre N, 2, 4, 8, 16. Je vais dire N plus 8 plus 16, 64 plus 128. Allez, ajoutez-nous, guettez. Et là, N, tu prends N, 2 te prends, 4 te prends, 8 te prends, 16 te prends, 32 te prends, 64 te prends. Je vais te montrer. Écris-le là-haut, c'est un petit cas écrit. N te prends, 2 te prends, 4 te prends, 8 te prends, 16 te prends, 32 te prends, 64 te prends. 128 peut te prendre, 256 te prend. Combien différent? Ajoutez.
Ah, zuté. Allez, arrête, nous vous checker, t'as l'air, c'est du bon. Correct. Allez, nous prenons le test. C. C'est quoi? Allez, dis-moi C qui était ça. A10, B11, C12. Allez, 12, comment tu peux écrire là? Allez, c'est dit. 8 avec 4 fait 12, non? Allez, un enfant écrit, ouais, voilà. 8 avec 4, bien bon. Le 0, tu mets 4, 0. Bien bon. Le 2. Voilà. À ce dernier, nous heading. 1, 2, 1 te pas prend, 2 te pas prend, 4 te prend. Il y a 4, 8 te prend, 4 avec 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512. 512 plus 8 plus 4. Comment il fait? Allez, crédit, crédit. Voilà, maintenant nous guettons réponse. Alors, nous guettons réponse de n'importe quel bruit. Hein. Voilà. Et 40, 425 et 524. Très très bien, ces enfants qui nous font vivre ensemble avec moi. Très très bien, félicitations. Ils connaissent mon travail. Correct? Allez, nous continuons là, mes enfants. Très très bien, ces enfants qui veulent participer là. Ça, working space, ça, il donne toi. Bon, ça, nous souffrons, créer nos réponses. Nous continuons, nous prenons l'autre question. Je crois que là, nos réponses, c'est bon là. Mon père, écoute sa vidéo là, après, ils ont gagné ça dans YouTube. Ouais. Allez. Maintenant, each ticket also has QR code. Tu connais qu'il y a QR code. QR code veut dire quick response code. Et il y a un petit carré de soi là-dedans. Et dans trois colonnes, on a un carré là plus gros. Et il convertit sa code là, un petit carré là, blanc avec noir. Il convertit, il fait un website. Le QR code is scanned at the entrance of the venue. A person can only enter the venue with a valid QR code that allows entry. Redire, tu peux gagner accès à each ticket, tu as un ticket, et là tu peux rentrer dans sa place là, maintenant scanne ton QR code. Si le QR code valide, valide, tu as payé, tu as un QR code, tu as accès à sa venue là, dans sa place là. When a person enters, a counter is incremented to show how many people has entered the QR code. Redire, valide QR code, counter is equal to counter plus 1. Explain how the system scans the QR code. Check if the person can enter and count how many people have entered. Bon, comment il peut scanner sa QR code? Besoin d'un QR scanner, besoin d'une caméra. Caméra là, il tient photo sa QR code là. Il est là, il a un software. Bon, il est capable. C'est bien un portable sur caméra. Tient photo. Il est là, sa photo là, analysée par un apps. Un app, un software. Software là. Il peut checker si QR code là est valide ou ça pas valide. Maintenant, on a deux autres réponses de n'importe quel bruit. Je veux dire, pour te scanner un QR code, tu as besoin d'une caméra. Caméra là, il est capable d'un portable, il est capable d'une autre caméra spéciale qui servit une caméra. Okay? Caméra, il servit light, laser light, light ou laser. Ok, il projeter le code là, le sa QR code là. Et sa QR code là, ce bas black square, il reflect different light to white. Il y a black avec white, c'est le QR code là, il faut même pas black avec white square. Ça bas black et la lumière là, avec white la lumière là, il reflecte. Et un QR code dans ce trois coins, nous avons un square, dans ce quatre. 4 coins, non, 3 là-dedans, il y a 3 gros squares. Ces 3 gros squares là, servent pour align le QR code. Après, chaque petit carré, il convertit en digital. Ok, dans ce QR code là, tout petit carré, petit carré, il convertit en digital. C'est-à-dire, il fait un chiffre. Il fait un binary, il est là, il fait un texte. Le microprocesseur qui fait ça. Il convertit ça black and white reflected lights là, un petit carré là, en digital, 0 avec 1. Après, il fait living en texte. Ça veut dire, il peut faire living en texte. Et là, là pour besoin, il y a tout le monde qui valide ce QR code dans un database, dans un tab. Database, il y a un tab.
Il y a un QR code qui te scanne là, te guetter s'il est déjà dans la table là ou ça n'est pas dans la table là. S'il est dans la table là, te comparer ce qui te fait scanner là, est-ce qu'il est déjà stored dans ton database, dans ton file, dans ton table. Si déjà il y en a, il est valide. S'il est valide, tu peux donner à là l'entrée, la porte pour ouvrir, tu peux donner l'entrée. Et si tu as accès à l'entrée, tu counter pour augmenter ton N. Et si ça met sa QR code là, il n'est pas dans ton database, dans ton file, dans ton table, tu n'as pas pour gagner accès dans sa venue là. Et counter pas pour augmenter pour N. Il n'est pas pour increment. Et access pour deny. Il n'est pas pour granted. Bon, vous pensez, il est assez strict ça. Et combien de points ça pour l'examen? 7 points enfants, beaucoup de points. Hein. Ok, si tu as une question comme ça. Bon, il est simple ça car là, il n'est pas difficile. Et puis, je vais t'expliquer comment te scanner un QR code et te donner du monde accès à une venue. Et ce système-là, il compte combien de monde. Il est simple, il a besoin de caméra. Bon, caméra, il est quand même potable. Il n'y a pas venir pour une caméra qui peut servir. Caméra, là, servir la lumière, là, projeter le ça, QR code, là, déjà, il y a un black and white lights là-dedans. Ça va reflected light, là, il est différent. Black, sur la lumière, il est différent. Là, il est différent, il est reflected. Et dans le QR code là, nous pouvons trouver trois coins là-dedans, three corners, un gros square. Et ce gros square là, c'est pour align le code, pour fixer le code, aligner, assister, pour être capable de lire complètement. Et là, c'est un petit square qui est dans ce QR code là, il est digital, 0 avec 1. Après, le microposteur pour faire un texte. Et ça va un texte là, nous pouvons venir un code. Et ce code là, nous pouvons rouler dans un file. Donc vous guettez si déjà il est dans le file, vous dire ça du monde là, il est autorisé, il est valide. Et pour donner accès, parce qu'il match, il match, il granted, pour donner accès, la porte ouverte et te compter augmente pour N. Mais s'il n'est pas match, du monde là, ce qui est encore payé dans le database, access deny, pas granted. Et il est là dans ce cas là, compter pas pour augmenter. Ok? Il arrive correct là, on va continuer la question. C'est diamant nous correct, nous continuons. Ok, allez, c'est répondre. Là, nous avons une autre question, le TLS. Qui veut dire TLS? Transport Layer Security. Bon, dans le syllabus de sécurité, il y a deux sécurités, le web, c'est SSL avec TLS. TLS, il y a des layers. Allez, les élèves qui ont écrit ou de ma réponse, diamant qui des layers, il y a de TLS. Sa question pour sortir dans l'examen 600. Allez, check and put. Ok. Allez, qui a une écrire? Personne tout ça? Zoom fini. On va pouvoir toucher là. Non. Ok, il n'est pas encore fini là. Hein? Ok, voilà. Il y en a deux layers de TLS. Il y en a record layer. Après qui layer maintenant? Oui. Handshaking layer. Très bien. Allez, pas mal. Ça n'a pas écrit, il arrive écrit. Et il arrive ici. Tracé. Ouais. Allez, très bien, monsieur. Allez, voilà, des layers qui nous sont dans TLS, c'est Handshake Layer et Record Layer. Et j'ai bien connu une définition qui veut dire Handshake Layer et qui veut dire Record Layer. J'ai bien connu une question pour sortir dans l'examen, ça sert. Hein? Mais nous continuons là avec sa question. Maintenant, l'autre question, sa question là, sa paragraphe là, il nous donne un paragraphe, il nous donne un mot, et j'ai bien placé ce mot là dans ce paragraphe. The following paragraph explains how data is sent securely using the TLS protocol. Nous nous demandons un terme là, ok? Et nous pouvons mettre ce terme là dans sa paragraphe. Allez, essayez. C'est écrit, nous guettons si nous avons une bonne réponse. Allez, essayez. Bon, browser, c'est toi ton computer. Toi, ton computer, ton browser, ton software, ton Internet Explorer, ton Firefox, ton Internet Explorer, Google Chrome. Qui te fait request? Qui c'est là? C'est là ton request. Allez, le browser, ton browser, de ton computer, ton Internet Explorer, soit quoi? Ton request the web server. Bien bon. To identify itself, to the web server.
Bon, web server, mettons eBay. C'est-à-dire eBay, c'est là toi. By pro, ouais. To request the web server identify to même, c'est là toi. Et là, by to identify itself by providing the certificate. Mais c'est moi si dans l'examen il y a un certificate, il y a aussi digital certificate. This is sent back and check by perform is performed to see if it is authentic. Qui veut dire authentic? Genuine. If it is the, bien bon. If it is, il est genuine, the. Kitty. Send a back to the web server. If it is genuine, it is the browser that sends a. Okay, the browser send a signal back to the web server and transmission begin. Oui. Ah, il a été réponse qui nous donnait pour Cambridge. Web server, il arrive à raison. Certificate, c'est un ça, digital certificate, bien bon. Authentiqué, bien bon. Browser, bien bon. Signal, bien bon. Très bien, modifié. Ok. Allez, nous continuons l'autre question, c'est là. Très, très bien. Allez, identify one or the. L'autre. Apport TLS protocol that can be used to secure data transmission over the internet. Apport TLS, qui protocole nous a servi? Allez, écrire. SSL, bien bon, modifié. SSL, et il a encore un mentionné HTTPS. Bon, HTTPS, lui aussi nous avons écrit, lui soit nous écrit SSL. C'est la même chose. HTTPS ou bien SSL. SSL veut dire Secure Socket Layer. HTTP veut dire Hypertext Transfer Protocol qui peut servir SSL. Secure, sécurisé. Ok, voilà des réponses qui sont acceptées. Très bien, nous continuons notre question. Là. Ok, bon, je zoom out un petit peu pour les enfants à écrire et la menace. Bon, ça question là, je pense que beaucoup d'élèves sont capables de faire, mais nous pouvons essayer de faire. Si un élève est capable de dessiner pour moi, c'est pour vous. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait, nous essayons. Il dit A avec B et nan B. Il dit prends A avec B si quelqu'un a dessiné, parce que moi avec A dessiné. A avec B passe par NAN, ouais, bien bon, ouais, NAN c'est N avec un autre, voilà, N, très bien joli, ouais, bien bon, allez, right, les lettres qui passent, il refait un autre, ouais, très bien, bien bon, et là, C qui lui fait, prends C vini, très bien, C vini, C avec B, du coup, pour faire no. Allez, bien bon là. C avec. Ok. C. B avec C pour faire no. Très bien. Allez, B descend. Ouais. Passeport et no. Ici, dessine. Très bien. Bon là. Très bien. À ce ça D là qui pour faire. Il là pour un X. A D là de passeport et O. Bien bon. Très bien, il y a une gate là, elle est là pour X. Oh, very good. Oh, non, tu n'as pas de dessiné. Dessiné, il arrive, continue. Continue, ouais, ouais, ouais. Parfait, non, X, là, quand même, il y a parfait, non. Oh, bien bon. Là, là, il est bon, là. Ok, tu dois enfin trouver, là, il est complété. Maintenant, il est carré fast. Non, non, nous, quelle réponse, là, il arrive fast. Voilà, allez, efface pour toi, il arrive, mais tes réponses, bon, hein. Ouais, mon checké, c'est bon. Allez, efface tes réponses, très très bien, tu as bien participé. L'examen, tu as facilement fait ça. Voilà, il arrive sur réponse, avec réponse qu'il donnait là-bas, il est bon. Excepté, il arrive, payant un stylus pour les cas écrits, il est bien. Mais c'est mal, il essayait, avec moyen qu'il y ait là, il fait bonne réponse. Correct. Et l'examen, les chrétiens, bien, bien joli. Et il est bien bien présenté, il est bien bien à la ligne comme ça avec la règle avec crayon papier de bien dessiner. Ok, draw with a pen, pencil, sorry. Allez, maintenant, ça me pensait tous les élèves capables de faire ça, working space. Ça. Ok, il me voit pour faire, il me pensait tous les élèves capables de faire, nous faire beaucoup de questions comme ça. Et sur réponse, moi, déjà de ni je sais, si je parle de working space, ça te met formule là-haut,
de mettre sur une réponse et de travailler. Nous sommes fatigués de faire sur une question. On pensait de le faire ici. Si ce n'est pas la réponse, c'est la deuxième guerre. Ok? On finit à vous. C'est un mot péricot, ça c'est ça. Maintenant, il a encore des pertes là, non? Ok, nous continuons là. Hein? Ça correct. Ah, ça ne vous signe là. Correct? Allez. C'est ça. Il n'y a pas de qui s'élève. Il arrive sur un néopote qui s'en a qui est capable d'écrire. Écrire. Bon, là-dedans, qu'il peut démontrer. Logic statement has four different logic gates. Ok? Identify two other logic gates and complete the truth table. Voilà, qui logic gate ça? N. N veut dire multiplier. Ouais. Après, qui l'une? Oui. XO. Ouais. Très bien. Allez, nous avons des réponses. Combien il y en a? 4. Ouais, 4. 4 différentes logiques. 2. Et other. Other veut dire ce qu'il n'est pas mentionné. Ok. N. Avec XO. Voilà. Très très bien. Cette réponse est bon. Bien bon. Allez, nous continuons. Hein? Il est bien bon là. Allez, nous continuons. Voilà. Luke is creating a website for his t-shirt design business. Il y a un t-shirt design business, il peut faire une website. He is using HTML to create the website. HTML has two supports. Bon, ça, je te connais ça. HTML, une structure avec presentation. Give example of structure avec give example of presentation. Bon, tu peux expecter ça là, mais là, je vais gagner une question comme ça. Tu peux connaître des bandes code pour HTML et bandes code pour structure. Comment? HTML, open HTML, body, open body, close body. Even presentation, comme bold, italic, H1, tout ça là, c'est présentation. Ok, moi j'espère que vous connaissez ça. Voilà, moi, je demande réponse. Bon, dépend de nous l'exemple, là, ici, me dit nous. Pour structure, tu es capable cause structure where text is placed, comme body, open body, close body. Ok, open HTML cause HTML try de faire. Presentation de car cause font de car cause sign de car cause. Maintenant, on fait jolie vidéo dans YouTube. Pour montrer, je un peu plus bien là. Ok, mon pousser Alda HTML. HTML, mon montrer un petit bout de HTML. Structure and presentation. Ok. Voilà, on a un coup de king donné. Ouais, voilà, la structure de capable cause head, open, head, close, head, open, body, close, body. Le presentation de capable cause. Attends, hein, presentation, structure, example of structure. Opéro de sample code, basic code, timing, hein. Sample tags. Bon, moi, j'espère que vous allez bien finir de comprendre, mais opéro de un de l'exemple pour montrer les autres. Voilà. Si vous étiez ici, mon caramel. Voilà, le CSS normalement, nous mettons une présentation. Une présentation comme H1, comme bold, italique, underline, etc. Bon, on fait une jolie vidéo sur YouTube. Vous êtes capable de guetter là-bas, on explique ça bien. Voilà, là-dedans, il explique toi qui HTML cassé en deux parties. Et. On pensait meilleur de t'aller dans mon vidéo YouTube, là-bas, je pourrais gagner beaucoup de choses là-bas. Structure avec presentation. Correct? Bon, on m'aurait donné cette réponse là.
On retourne avec ce slide. Voilà. Bon. Les nouveaux structures, nous open HTML, close HTML, open body, close body, open head, close head, open title, close title. Ça, c'est normalement structure. Et présentation, nous cause bold, open bold, close bold, open italique, open font. Voilà, ça c'est un peu présentation. Font size, font color, H1, heading, ça c'est présentation. C'est bien connu, hein? C'est bien la difficulté de carré diamant. Maintenant, correct. Luke is concerned that his web server may be hacked or subject to denial of service attack. DOS. Tu veux dire denial of service attack? Et dire clicker un flooding attack, un attack qui empêche les gens accès avec mon service. So state two security method that Luke can use to. Ah ouais. Sorry hein. Depuis longtemps, hein? T'as la carte. Non. C'est arrivé. Ok. Pourquoi on a cliqué là quelque part là? Ok, share screen. Ouais, mon gars, il est là. Voilà. Ok, vous allez retourner à l'arrière pour ça correct. HTML là, c'est correct là? Je me comprends, lui? Ça, vous reprend lui là. HTML d'après. Ouais, diamant. Meilleur. Ok, attendez. Soumise requesting remote control your desktop. Ok. Quelqu'un peut redécrire mon dernier accès là. Il vient de zéler même, non? Dans les remote control mon desktop, qui veut dire? Stop, ça m'a fait rentrer là. Mauvais stop, lui, m'a fait rentrer tout de suite là. Que mauvais chien mon écran. Hein. Ok, nous allons rentrer là. Hein. Vous pouvez répondre les avis aux questions. Allez, on pense la plupart des mines rentrer. Hein. Oui, il a risque qui te peut dire. Là, tu peux give example of structure. Tu peux dire, tu peux dire example of structure. Tu peux bien demander l'exemple. Ok. Bon, tu as écrit, n'est-ce pas, structure, c'est sur head, sur title. Mais si tu écris code là, tu as donné. Il faut plus approprié, tu prends l'exemple, correct. Tu as besoin plus beaucoup d'informations de données, il faut plus bon. Par exemple, regarde-toi là, fais-moi des présentations. Tu veux dire présentation, c'est, mettons, font color. Tu écris font color, il y a un exemple de présentation. Mais si tu as l'exemple code là, comment écrire, tu peux meilleur. Par exemple, tu as ball. Ok, ball. Mais tu me donnes l'exemple des ball, tu donnes l'exemple des italiques. Je donne l'exemple des size color, font color, font size. Ça va être l'exemple des bandes codes là, vous pensez, c'est ça qui est déroulé ici. L'exemple des bandes codes là. Ok? Et il te donne l'exemple. Il corrige là, il arrive, tu ne comprends pas. Give example. L'exemple, bizarre, un code qui te donne un exemple. Il dit bon là, ou ça ne te pas trop comprendre. Il arrive. Tu veux comprendre? Te donne l'exemple. Tu comprends, il fait comment dire, moi j'aime bien l'exemple font size. Si tu écris font size contrôlé par presentation, oui, mais c'est pas te donner l'exemple. L'exemple là, plus important, l'exemple là, tu vous donnes toi, point là. Parce qu'il nous demande un exemple des HTML presentation. Mais si tu n'as pas fait le code là exact, tu as de donner en termes de description. En termes de description, c'est font size, font color, comment aller me donner dans un marking scheme là.
the daily media presentation is font size. The other font color. C'est moi. Si tu connais le code là, mais il y a te mettre code là. Et si tu ne mets code là, tu pas écrire. Tu vas gagner ton point parce qu'il te donne l'exemple des codes là. Correct? Allez, nous continuons. Parce que l'examen était là, on va connaître qui partie te connaît la présentation et qui partie te connaît la structure. Est-ce qu'il est clair? Hein? C'est tout comprendre qu'il y avait des structures présentation. Et moi, j'ai une jolie vidéo dans YouTube, moi, je vais vous regarder là-bas, montrer ça tout de suite. Mais vous êtes capable de guetter. Ok. Oui, je vais vous demander ça avant de me poser la forme 4 ça. Oui, pour forme 4 ça. Forme 4 faire HTML. Alright, on va suivre. Allez, nous continuons là, hein, parce que si il finit session là, moi j'ai une deuxième session, vous allez continuer à rentrer là. Alors, hein. Là, intéressant, il a envie de faire ça pour vous, hein, correct? Allez, structure presentation, ça va même aussi, vous avez une question là, hein, et surtout dans l'exemple. Maintenant, tu peux cause denial of service attack. Qui va une mesure de sécurité, method of security, qui prend pour protéger nos web servers from hacking? Bon, le cas protège nos serveurs from web hacking, c'est une série firewall et une série un proxy server. Ok, firewall et proxy server, ils protègent nos serveurs contre hacking, contre denial of service attack. Correct? C'est firewall et proxy server. Maintenant, nous continuons notre question. Von Neumann, vous connaissez dans le chapitre architecture, ça. John Von Neumann, c'est un scientiste. Qu'il étudia Von Neumann, il étudia trois qui sont non single processor, il étudia single processor, il étudia stored program concept, programme et data qui regarde dans ses mémoires et c'est indistinguishable. Et troisième, il étudia linear sequence of execution. Maintenant, ici, il peut dire Von Neumann, un computer has contains several integrated circuits. Ah, ici, qui veut dire integrated circuit. IC veut dire integrated circuit. Bon, integrated circuit dans IC, il n'y a pas parallèle, il n'y a pas serial. Mais dans ce cas-là, il peut être parallèle. Parallèle transmission is used. Qui veut dire parallèle transmission? Dans parallèle transmission, data are traveled in several wires simultaneously. Ok? In short distance. Voilà qui veut dire parallèle. Parallèle via several wires. L'autre mot pour several wires, multiple wires. Et bit data are transmit multiple bits at a time, simultaneously over different wires. Voilà. Ça, c'est parallèle transmission. Mais dans l'examen, même question, il y a un IC, mais il peut servir un seul pin, un seul la patte. Là, il y a servir serial. Si jamais question est serial, il veut dire data is transmitted over a single wire. Show long distance, one bit at a time. Mais ici, question la partie serial. Ici, question la parallèle. Parallèle veut dire several wires, multiple wires, several wires, several bits at a time over short distance. Allez, nous continuons. Give one benefit of using parallèle rather than serial. Bon, parallèle, fast transmission. Fast transmission. Ok, parce qu'il y a une data là pour aller le several wires simultaneously. Mais ce désavantage qui est arrivé, il n'y a pas une pose question de désavantage ici. Mais les autres qui étaient en question, ils disaient bénéfices de l'examen, c'est qu'il y a drawbacks. Parallèle sur drawbacks, il y a SQ, S-K-I-W, SQ. Qui veut dire SQ? Bah, le data does not reach the destination at the same time. Bon, ils vont là, zoom là, pas fini, non? Hein? Zoom là, fini là? Le bétonnement, il est correct là. Allez, nous continuons là. Hein? S'il est fini, je fais ma prenez, hein, parce que. Par contre, ici, nous allons suivre. Ok, dans l'examen, il y a des drawbacks en parallèle. Il y a un problème SQ. Et le deuxième drawback en parallèle, short distance. Et le drawback en parallèle, il est expensive parce qu'il servit différents wires. Maintenant, dans l'examen, il y a une cause parallèle ici. Le Tika aussi il y a une question le serial. Serial sur l'avantage et sur désavantage. Prépare-toi pour ça aussi. Maintenant, computer has a central processing unit, CPU. Identify the buses, the bus that carry signal around the CPU to control the components.
Bon, il y a trois qualités science CPU, trois qualités bus autour du CPU. Il y a address bus, le control bus avec le data bus. Bon, address bus, les point to memory. Data bus, il amène data depuis des mémoires avec CPU, vice versa. Mais control bus qui envoie le control signal. Ici, le data identify the bus that carries control signal. A carry signal, key signal, the control signal to all components over all control all components. La réponse ici, les bouvines, control bus. Correct, no check input. Voilà, control bus. Control bus qui a control signal. Et question là, tu as pas le control bus. Tu as posé question là, diamant qui bus points to the memory. Et tu as address bus. Tu as posé une question qui bus carry data from the memory to the memory. Et tu as address bus. Maintenant, ici, identify the register built into the ALU. The ALU, arithmetic logical unit, qui register une. Un accumulator register. Qui fait accumulator register? Il y a accumulation, il fait summation. Il y a arithmetic logical unit. Pas pour une arithmetic calculation, pas pour une calculation. Mais là, pour une calculation, de calculatrice, ou pas summly, ou pas totally, ou pas garder dans mémoire. Il y a pour une accumulator register qui peut dans control unit. Sorry, arithmetic logical unit. Maintenant, la true or false. Là, mon pensée, Manzele, besoin d'essayer de répondre. False statement concernant volume. Data instructions are stored in the same memory unit. True or false. C'est un volume en dire. Data instruction, allez, il arrive. Dis-moi, true or false. Allez, vite, vite. Mettez que c'est un Manzele capable. True. Data instructions are stored in the same memory and they are indistinguishable. Correct, donc déjà dire ça, ça true. Le control unit manages operation within the CPU. False, control unit n'est pas manage operation within the CPU en dosis. Control unit manage operation. Attendez, d'après moi, control unit manage operation within the CPU. Il n'est pas nécessairement within the CPU, il n'est pas ouais. Control unit manage operation within the CPU. Livré, oui, oui. Il n'y a pas de only. Si j'ai only, là, là. Ouais, mon pensée. Le cross-check, écoute, d'après moi, tu as raison. Voilà, true. Et true, ouais. Si j'ai only, là, tu win false. Il manage operation within the CPU et en dehors aussi. Le ban peripheral device. Si j'ai only, là, tu win false. Très bien, motivé. Data instruction can be fetched into the CPU at the same time. Data instruction can be fetched into the CPU at the same time. Qui nous dit de là? Le cas fetch data avec instruction into the CPU. Et false. Data and instruction can be fetched into the CPU pas at the same time. Je veux dire one at a time. One at a time. In sequence. Ok? Il pas at the same time. C'est-à-dire, il fait n par n. C'est même appelé ça linear sequence of execution. Ça même qui vaut mieux moins dire linear sequence execution. One thing at a time. Pas en même temps. C'est-à-dire, là, il y a une force à cause linear at the same time. Ça moule at the same time. Là, qui fait, il y a une force. Il pas at the same time. Il y a one at a time. Correct là? Il vaut mieux moins dire one at a time. C'est-à-dire, linear sequence of execution. Nous continuons. Control unit is responsible for decoding instruction. Control unit, le décoder, vrai. Control unit, le décoder. Qui côté le décoder? Tu as dit avant ça, Hilary? Control unit, le décode instruction, qui côté? En place de CPU, ça, qui côté ça? D'un register, ça. Qui register ça? De CIO. Control unit, décode instruction de CIO. Oui? CIO veut dire current instruction register. Là-bas, fait décoder. Allez, nous prenons l'autre question. Nina is recording some music track that she has written. She is researching whether she should record them
in MIDI or MP3 format. Explain what is meant by MIDI avec MP3 format. Bon, ça factuel, ça. Bizarre connaît qui veut dire MIDI et bizarre connaît qui veut dire MP3. Bon, ça, je t'ai fait screenshot, save li, ou bien t'as l'air de get vidéo, je t'ai créé de cahier. C'est la question là pour ce outil, ça en est là. Si. Bon, qui veut dire MIDI? MIDI veut dire Musical Instrument Digital Interface. MIDI, il n'est pas musique, ça. Tous les élèves connaissent. MIDI, il n'est pas musique. S'il n'est pas musique, qui est-il? MIDI file, qui est-il? Il n'est pas la musique. Il n'est pas la musique, là. Listo, qui listo? Set of command. Si nous pas dire command, qui nous pas dire instruction. Qui est instruction, les gars? How the sound should be played. It does not store the actual sound. L'actual music. But what it store? Set of command, set of instruction of how the sound should be played. The data in the file has been recorded. Comment il record sa main instruction? Using digital instrument. Comment qui produit par un synthesizer? The data là de la file là, il écrit par un digital instrument. Comment produit par un synthesizer? Bon, qui va data in the file là? Nous dire comment? Nous dire instruction. Mais qui commande? Qui instruction? Ben commande instruction là, li dire pour la musique sur pitch of the note. Et il dit each note spécifié, il spécifie each note plays stop. Quand il peut stop, quand il peut play. Et duration de chaque note. Volume de chaque note. Tempo of chaque note. Et différents types of l'instrument qui s'accommande à poser. Et individual note can be edited. Tu es capable de modifier sa note là. Pour amener un plus bon. La musique. Voilà, MIDI, je vais dire, is not the actual sound. So what is MIDI? The set of command instruction of how the sound should be played. It is created by what? It is created, produced by synthesizer. Data sa file li produit par synthesizer that has been recorded using digital instrument. Et qui man data in a sa file c'est pitch de note. Spécifier qui a des pitch pour jouer. Et chaque note, quand pour commencer, comme commencer. Quand pour terminer. Duration de chaque note. Volume de chaque note. Tempo de chaque note. Et chaque note pour qui instrument pour jouer. Et avec sa file là, MIDI file, nous sommes capables de modifier les edit-li. Sans ben, note. Note. Qu'est-ce que c'est? Note. La musique, ce note qui est là. Parce que c'est une commande. Il est payé dans l'actuelle musique. Allez, nous continuons. MP3. MP3, c'est audio file, ça, enfant. Ok, MP3, c'est audio file. C'est la musique là, même, ça sent, et là, c'est actual recording of the sound. Et MP3, il est compressé. Qui a été compression? Lossless ou ça, lossy? Lossy. Lossy veut dire compressé, maximum, et il peut être un petit gain localité. Ok, il y a quelque chose qui human eyes, human ear, pas attendu. Un background noise sur la retirée. Et recorded using microphone. Voilà un petit peu de MIDI avec. Il arrive à poser une question là. Hein? Oui, quelqu'un a une question. Là. Non? Une minute, nous allons trop temps. Il y a un camion passé. Allez, diamant. Est-ce qu'il y a MP3? Il a une full form. Qui veut dire pas full form? MP3 il y a la musique ça l'enfant ou download ou mettre dans pendrive ou quand je l'ai dans le portable ou quand je l'ai dans le computer ou capable je l'ai dans n'importe quel audio device dans MP3 player de portable de télévision dans n'importe quel format ou quand il y a la musique là même correct mais par contre MIDI il n'y a pas la musique là il n'y a pas senti là ok MIDI dans le file il peut jouer dans l'instrument. Mais il y a une demi-bande commande pour sa note. Et tu es capable de sans sa bande note là. Tu es capable de modifier sa bande note là. Bon, Manzele qui allait prendre la musique. Ok, fait que moi j'allais en prendre la flûte, la guitare. Qui en prend là-bas? Note. Il paye sa note là, il tient sa note là. Je veux dire, de MIDI, il a ma note. Et sa bande note là, il produit pas l'instrument. Et sa bande note là, il te met dans l'appareil. Et l'appareil là, il prend sa bande note là, il fait sa bande son là. Donc, moi, il n'y a pas la musique là, il servit sa note là, et sa note là, il est quand même modifié.
sa différence. Repose-moi deux questions, Hilary. On va entendre. Oui. Oui. Oui, oui, MP3 veut dire. Attends, je check ça, je vais tellement oublier. Musique. MP3, hein. MP3, hein, qui veut dire ça, oui. MP3, MP4, tout ça, hein. MP3. Music layer, MP3, ce meaning. Ok, mon MP, oublié. Voilà, MP3. Il y a un meaning, lui. MP3. Bien, il a même trouvé quelque part. Il y a un meaning MP3. Music version 3. Radiofo? MPEG audio layer. Ouais, MPEG MP3 audio layer. MPEG, ouais, pour moi, MPEG audio layer. MP3. Version layer free. Voilà. MP. Allez, voilà, si tu dis. Voilà, il y en a sa définition. On va rappeler le livre, ok, mais il dit là. Moving picture. Tu veux dire moving picture? Expert. Ok, check les écoutez, vous ne pas trop aussi, mais c'est moi, il y en a ce mini. Il y en a, avant ça, il y en a MPD. Voilà, il y a mis MP3, il s'en est. MPD, je l'ai mis. Ah, il y a quelque chose qui était video data using. Ok. On cherche l'écran là, non? Formally. Ouais, il y en a ce meaning. Hein? Allez, nous continuons. Hein? Ouais. Attends, qui a envoyé un message? Je viens. Ok. Et mon corps, il a ripé mon truc qui se cher sur script. Comment on garde? Je vais t'envoyer moi le link là. Quand il arrive ici, share sur screen. Mais comment on est capable de... Ouais, il écrit là. Stands for audio MP3. Moving picture audio. Ouais, très bien, il arrive. Allez, de continuer à bouger. Bon, ça, c'est une meaning, une définition, vous êtes capable de guetter. Très, très bien. Ok, je ne sais pas connaître le Google It. Voilà. Ok. Ok. Ah, il a Moving Picture Expert Group. MP3. MP3 is compressed. Voilà, c'est ça qu'il arrive au dialogue. Hein? Allez, nous continuons d'enfant. Après, nous avons fini. Il y a ce liseau du papier pour prendre ce outil là. Hein? Mais ça, mauvais bête, ça, question là pour ce outil. Hein? Et ce réponse est là. Correct. Vous espérez de pratiquer, les autres comprendre, les mon art s'expliquer là. Hein? Ok, mauvais c'est et Dieu. Allez, ça aussi, question, mon pensée, il arrive. Ce liseau question, ça, hein? Ça papier là, intéressant. Hein? Vous espérez de bien aller suivre, get ça papier là. Allez, nous continuons là, Hilary, allez, vite, vite. Matthew is buying a new television with a display that uses LED. Bon, LED technology. Qui veut dire LED? Light emitting diode. Explain what is meant by LED technology. Bon, LED technology, LED veut dire light emitting diode technology. LED qui dit servi? The display is made up of pixels. Et sa pixel là, man dot là, they are arranged together as a matrix. Correct, matrix, je connais comme un grid. Ok, XY. Each is formed of three LEDs. Il y a trois la lumière, trois dots là-bas. Filters, les filters. Et the shades of the color are achieved by mixing ces trois LEDs là. C'est trois la lumière là. Je veux dire, comment dire, il y a trois points collés ensemble. Ça trois points là, comment dire, trois globes. Je veux dire, red, blue, green. Et ça, trois couleurs là, les pour mélanger d'une telle façon qui te bougeait un joli couleur. Qui bizarre. The screen can be backlit or edge lit. Qui veut dire backlit? Veut dire pas derrière et la lumière qui pourra allumer ou bien dans ce edge, ce man rebord, il y a allumé. Correct, il y a tout dédié. Et note, the use of liquid crystal with LED technology can also be awarded. Veut dire l'indon point pour ça aussi. Bon, répondit LED
qui veut dire LED, Light Emitting Diode. Et nous trouvons un Light Emitting Diode qui sert un pixel. Et ce pixel là, il est arrangé dans un grid. Et surtout, il sert trois couleurs de LED, Red, Green et Blue. Et il sert filters. Et il est capable de backlighted ou not backlighted, il est capable de edge-lighted. Edge veut dire en gros. On sait qu'il y a une encryption qui s'appelle LED. Light Emitting Diodes. Definition. Voilà. Light Emitting Diode or Semiconductor Diodes that glows. Allumé. When voltage is applied. Ça c'est pas mal. Light Emitting Diode. Light source can be fluorescent tube or light optic. Voilà. Light LED est plus bon que LED LCD. Hein. Ok. Voilà. Semiconductor, source of light, les ligues courants, les glow et les servis de pixels. Et comment on dit, pixels là, il y a trois la lumière qui est allumée là-dedans. Et ça trois la lumière là. Voilà, regarde là. Vous pensez que c'est un joli exemple que je vais trouver là. Hein? Voilà, regarde là. Une minute. Ah, là. Voilà. Light emitting diode. Un joli exemple dans l'internet de galerie. Vous pensez que mon écran cher là, je vais trouver. Voilà, ça 3 là fait un pixel. Et ça 3 là sur intensité pour modifier pour les garder une plus bonne couleur. Correct, les enfants? Vous avez trouvé? Ça non. Ok, nous continuons là. C'est un problème là. Hein? Allez, on prend l'autre question. Ouais, nous prend l'autre question là. Hein? Il y a une petite idée là. On a le vite. Maintenant, ça c'est définition. Explain what is meant by ça. Et il y a trois points enfin. Et ça fait que je commence à prendre attention. Bien. Trois points. Je veux dire, tu as trois idées dans l'examen. Tu veux dire, tu veux dire LED, Light Emitting Diode, tu veux dire un point. Et tu veux dire, il faut un pixel. Et van pixel là, il y a range into matrix, tu gagnes encore point. Et l'objet dit, il servit 3 LEDs, red, blue, green, et les filters. Voilà, tu gagnes encore un point, 3 points. Et même tu as dit, il servit back lead ou bien edge lead. Allez, nous continuons. Benefits of LED technology. Qui est l'avantage de servir LED technology? Energy efficient. Qui veut dire energy efficient? Low power consumption. Servit moins courant. Il y a la calcul de si j'étais payé la lumière LED, des autres parents sans et tout mon tube met LED. LED dit low consumption of energy, le courant, bill courant pour diminuer. Et lasting, long lasting, long activity, c'est-à-dire long life, long lifespan. Il durait beaucoup les temps, il va briller vite. Ok? Et focus beam, less light stray of beam, c'est-à-dire beam la lumière là plus direct, il est brighter, il est more vivid. Higher resolution, il n'y a pas flicker, flicker veut dire alimenter un bas de batterie comme ça. Et display is thinner, ok. Voilà. Et fewer pixel failure, veut dire ben pixel là pas briller vite. Et increase view in sunlight, veut dire brighter in sunlight. Et mercury free, veut dire environment friendly. Voilà beaucoup l'avantage, il y a le côté LED. LED, LED. C'est-à-dire Light Emitting Diode, les mines plus communs de nos jours, les partout peut servir, et LCD, ben ancien type, pas peut servir. Identify other technology that could have been used for display. Bon, avant LED, c'est une autre technologie qui s'appelle LCD. Ok, c'est-à-dire Liquid Crystal Display. Maintenant, LED, si on a amélioré à ce il y a une nouvelle qualité LED à ce appelle ça OLED, Organic LED, les plus bons que LED. Pensez tous les élèves connaissent une fille à sa classe. Allez, l'autre question maintenant. Bon, là, les pédiatoires, ok, nous allons plus vite. Victoria has entered data, entering data into the computer, cloud storage, even parity, ouais. Is used to check errors in parity of the transmission. For each of the 7 bits, write the parity bit, ouais, 7 bit parity. Il y a even. Là, il y a 3, il met 1 pour les 20. Là, il y a 4, il met 0. Là, il y a 2, il met 0. Là, il y a 4, il met 0. Bien bon. Correct, nous bouger. Vous en avez demandé dans le vide comme ça. Allez, l'autre question. Correct là, hein? Puis nous discuter là-dedans. C'est trop facile.
identify other error checking method that could be used to check binary digits correct transcription. Bon, à part parité qui est dedans. ERQ. C'est moins une affaire. Dans l'examen, les premières fois, tu peux écrire ERQ. Tu peux écrire les complètes. Hein? Automatic repeat request. Là, dans la braquette, tu mets ERQ. Là, l'autre place de papier, tu peux écrire ERQ. Mais pour la première fois, tu peux écrire les complètes. Allez, deuxième. Dis bon, là, première fois, tu peux. Non, pas grave, moi, je finis de comprendre. C'est moi dans l'examen, pour première fois, si tu peux écrire ERQ, tu donnes 6 ERQ. Dis pas trop conseillable parce qu'il te besoin de donner complète. C'est moi dans la braquette, tu écris ERQ. Là, l'autre place de ton papier, tu as un droit servir ERQ. Allez, apport ERQ, nous avons parité, nous avons checksum, nous avons ERQ, nous avons echoing back. Et voilà, checksum, ERQ. Voilà, vous trouvez, il a écrit automatic repeat request. Là, dans la braquette, tu écris ERQ. Là, l'autre place, tu as un droit servir ERQ. Tu n'as pas nécessaire réécrire. C'est bien clair là-dedans. Hein? Check digit is used to check whether the data is correct in terms of the computer system. Describe how check digit is used. Bon, check digit, comment te servir? Tu prends un original code, tu applies un algorithme, ça, et après tu generate, voilà. Tu input un data with a check digit. Après tu perform un calculation. Comment calculation plus commun, c'est modulus 11. Et modulus 11 qui te fait, tu multiplies chaque digit par sa position, par sa weight. Après, tu gagnes un somme. Ok? Et sa somme-là, tu fais une calculation. Calculation-là dépend qui a l'algorithme de PCV. Tu as l'exemple modulus 11. Modulus 11 qui te fait. Tu prends chaque digit, tu multiplies li par sa position. Ok? Et là, sa somme-là, tu divises li par 11. Et là, 11 tiers sa remainder-là. Si tu gagnes remainder, sorry. Si tu gagnes remainder 0, veut dire check digital est correct. Si tu n'as pas gagné remainder 0, check digital n'est pas bon. Mais une autre façon ici d'expliquer. Digital comme ça, si tu peux donner un input, un number, avec ce check digit, tu ne peux pas prendre check digit là. Tu prends les restants digits de ce number là. Tu performes ta calculation. Dépend quelle calculation il était. Ce n'est pas les modulus level. Tu commences dans la deuxième position, tu multiplies chaque digit par ce position, par ce weight, et là tu gagnes un chiffre, et ce chiffre-là, tu dois guetter s'il est pareil avec le check digit. S'il est pareil, les matchs, veut dire que ce chiffre-là est intégré correctement. Et s'il n'est pas pareil avec sa calculée de check digit-là, comment parler avec sa store de check digit-là, s'il n'est pas pareil, veut dire que tu fais une erreur dans le check digit. S'il est pareil, veut dire qu'il est correct. Bon, on répond lui pour manger les pas comprendre. Si lui donne temps, il input un nombre. Il a ce check digital. Tu check check digital, tu gardes à part. Tu prends ça, les restes digital, tu performes une calculation. Et tu performes une calculation. Et sa calculation qui te performe, c'est un algorithme. Un des algorithmes plus commun, c'est modulus 11. Tu generate check digit. Ça generate check digit, tu gettes avec sa store check digit, ce qui tient là, c'est lui parler. Si les matchs, c'est déjà un nombre correct. Si les pas matchs, c'est déjà incorrect. Bon, zoom pour finir là très vite. On peut envie de mettre un petit meeting là. Hein? On peut si vous voulez un petit meeting. On peut si vous voulez un meeting là. 10h30, il est supposé finir. Hein? Ah, 10h30. On se dit un autre meeting, si jamais c'est fini, il y a beaucoup de continuer à continuer. Ok? Time to get in. Bon, là on est déjà dans un meeting. Là. Si c'est fini, on parle de l'autre. Ok, tu sais, le même là, je vais tellement prendre une licence. Je vais tellement être intéressé car je vais prendre une licence. Allez, bon, continuez, là, moi je suis à mon screen. Là. Oui, parce que j'ai envie de finir le papier là, parce que le papier là est intéressant, il y a des trois papiers pour ça comprendre. J'ai envie de finir ce papier là, je vous dis. Ok, bon, est-ce qu'il s'agit de bien comprendre? Je veux dire, si tu donnes un input un number, tu donnes un bank à 40 numbers, tu tiens ce check digit, l'os digital te garde. Tu prends les restes digitales, tu performes de calculation. De calculation, mettons, de calculation, les modulus 11. Tu generates a new check digit. Et ça generated new check digital, tu dois comparer avec ça, store check digit le chiffre là. S'il est pareil, il veut dire input number là correct. S'il n'est pas pareil, il veut dire rien.
On ne se sent pas comprendre de réunir à moi, nous vous réexplique ça. 4 points à l'examen, les collègues Mike. Ah, sorry, papier infini là. Vous venez de le mettre en session. Ok. Allez, tellement. Moi, vous stop sa recording là. Et prochaine classe, moi, vous prenez le papier. Allez, pas grave là. Devine là. Et prochaine classe, nous mettez qui papier, nous vous faire papier. Papier 13. Qui est assez intéressant, on va montrer ça toujours. Vous voyez, il est pareil, comme ça, tu as un input-output. Tu as un nouveau Newman. Qui est mon petit scroll là, il a déjà fini le papier là, il a travaillé. Voilà, mon petit scroll, vous avez la vidéo là, je vous regarde tout ça là. Le cas stop, travaille, il m'a une réponse. Benefits of USB, tu vois, là. Je dis pour la prochaine classe, moi, pour discuter de ça. Mon petit scroll, le cas stop, cette vidéo. Je vous regarde une question là. Ok, la vidéo là, je vous regarde ça, le cas stop, le cas travail. LCD, il y a une bonne question, le LCD. Ok, le DVD, CD, tu vois. Similarité, différence. Correct, le cas pose sa vidéo là pour la prochaine classe, le cas get ça. Nous vous discutons tout ça là pour la prochaine classe. Correct, allez. Vous pouvez pas one more close là, maintenant vous pouvez get un coup de paper tout. Correct, on prend paper tout rapidement là. Hein? Vous êtes la même là? Et right, nous avons un petit peu de tout, nous avons fait quelque chose. Ça me close. Close the tab. Do you want to save nous? Allez, paper tout, mon point de papier là. Hein? Ce section B, surtout. Allez, non, vite, paper tout. Section E, nous pas pour bêter. Section E, nous déjà fini de nous tout. Hein? Allez, section B. Allez, il arrive la même, aussi fini. C'est la même. Une vidéo qui est en cours record. Ça n'est fini là. Cool. Ok, allez. Je vais t'en demander ça une arrêtée cette session. Allez, là. Une petite réponse pour celle-là. Hein? Bon, question là, moi, je trouve intéressant, moi, il arrive. Hein? Je vais dire papier 13. Non, qui m'a ouvert là? Papier 21 ça. Okay. 21. Allez, nous mettons sa question. Papier 21. Ok. Allez, il y a une question là. Théorie ça. Hein? Théorie veut dire que vous en prenez. Moi, il était. Et section B qui nous peut guetter là. Hein? Voilà. Section B. Allez, question. Describe the purpose. Qui veut dire variable? Qui est l'idée qui fait nous créer variable? Et qui fait nous faire constant? Et give example in your answer. Variable, c'est quoi? Par exemple, une question que tu n'as pas connu, tu dis X, tu dis Y. Une variable, les gars, sont valeurs changées. Ok, tu vas mettre une nouvelle valeur. Mais constant, c'est un paramètre qui sont valeurs pas changées, il reste fixe. Mais parfois, tu fais une question, un input, il y a un input qui peut changer, une variable, sont valeurs pour changer. Disons, du monde, disons, un produit, sur prix. Sur prix, il va changer. Mais taxe. Taxe pas changé, taxe les 15%. Les taxes, les gars, une constante, une variable, les gars, price. Price, un produit sur prix. Ça produit à ce prix, tel prix. Le produit sur prix, tel prix. Mais taxe, VAT, VAT, les fixes. Veut dire VAT, les gars, une constante, les 15%. Constante, les VAT, les 15%, les fixes. Mais par contre, une variable, comme on dit, des variables, ce variable pour changer. Par exemple, item. Price, les gars, c'est dépendant qui a été du prix. Maintenant, nous avons une réponse qui nous donne. Qui veut dire un variable? Un variable, par définition, un value can change. Mais c'est là que commence la réponse. Hein? What is a variable? Les gars, dire, what is the purpose of a variable? A variable is a parameter whose value changes during execution of the program. Si il n'y a pas d'exécution of the program during runtime, run, R-U-N, runtime. So, what is a variable? It is a parameter, un paramètre, whose value can change during runtime. Qui veut dire value can change during runtime? Veut dire, ce valeur
comment disons le gardien price for an item, price can change dépendant item là, price de 20 ou puis de 40 ou puis de 50 ou puis je veux dire s'il y a une soap, un savon mais ce prix de 100 so the price can change on pourrait prendre moi tout il arrive si soutien rentrer ok il arrive nous répond question là pour toi et nous dans papier 21 et section B describe the purpose of variable and a constant et un exemple le sac bon tu as besoin d'un exemple hein, 4 points hein. L'examen si c'est pour dire qui variable qui veut dire variable qui veut dire constant tu parles d'un exemple tu as 6 des points ok so what is a variable? A variable is a parameter whose value can change during runtime. Veut dire une variable se valait licencier during runtime. Par exemple, counter. Counter is equal to counter plus 1. Counter commencement dit qu'il valait 0. Il devient 1, il devient 2, il devient 3, il devient 4. Veut dire se valait pour 100, 100. Mais par contre, qui veut dire un constant? Un constant is a parameter whose value cannot change during program execution or during runtime. When the program is running, the value does not change. Il est statique. Il n'est pas changé, le programme là, changé. Par exemple, maximum age, il est fixe. Minimum age, il est fixe. Par exemple, un jumon sur date of birth, il est fixe. Non, ne pas prendre date of birth. Nous disons l'affaire maximum, minimum. Maximum height, minimum height, il n'est pas changé. Mais height, il est changé. Maximum height, minimum height, il est fixe. Mais height, il est changé. Height, il peut être variable. Mais maximum height, minimum height, il peut être constant. Problème? Une question à poser? Licorot? Jaffo? Pi. Pi, ouais, pi, il y a une constante. Voilà, tu gardes ça aussi dans l'examen, pi. Pi se valait 3.14D, non? 3.14D7, quelque chose. Ouais. Bon, il est fixe, il n'est pas censé. Joli l'exemple, il y a une constante. Très bien, monsieur. Mais, radius. Radius n'est pas un variable parce que ce circle là, ce radius censé, ce area of the circle est censé, circumference of the circle est censé, mais pi pas censé, pi est constant. Mais qu'est-ce bien, moi ce que j'ai envie de dire, toi, pour cette question là de l'examen, première affaire, il arrive, tu as besoin de ce point, pour ne pas faire erreur dans l'examen. Tu as besoin de dire, tu m'as là qui fait pour donner 4 points. Ce purpose, c'est pour donner 3. Pour variable un point, purpose pour constant il donne un point, mais l'exemple, si tu n'as pas donné l'exemple dans l'examen, tu n'as pas pour gagner l'autre des points là. Voilà. Veut dire purpose, veut dire sa définition, qui veut dire variable, variable veut dire value pour change during runtime or execution, et constant veut dire value là, il est fixe during runtime execution, et l'exemple pour variable, grâce à l'exemple, il ne donne pas 40, c'est quoi de 40 plus 1. Zoom est fini, vous avez commencé. Ok, vous continuez là, hein, mon ouais. Allez, nous continuons là. Ok. Allez, nous continuons, Manzele qui veut suivre, et là, les restes après.
les cas suivent vidéo. Ok? On prend un lien. Et sur l'intéressant, car il y a de l'examen. 4 points, tu peux dire, il arrive. Il arrive, tu m'étonnes moi, correct? Allez, on continue. On prend les questions maintenant. Bon. Dans ce cas-là, tu peux trouver une tension de côte, un algorithme. Correct? Un weight, un number of bags. Ok? Une load of firewood. Kilogramme. Bon. Total weight, il est 1000. Ok? Bag counter 0, maximum bag 10, minimum, maximum bag 8, 10, 50, maximum weight 1000, repeat until weight là, il dépasse le maximum weight, et en même temps bag count, il dépasse ça. Veut dire, maximum weight, tu arrives 1000. Quand tu dépasses 1000, tu arrives. Ok, et combien de sac maximum? C'est 50. Correct? Total weight of the load is maximum weight. Okay. Maintenant, question qu'il pose. Bon, si nous comprenons, tu as un total weight autant, bag counter 0, maximum bag, sac il 50, et maximum weight 1000, please enter the weight of the bag, il y a ajouté dans total weight, bag counter augmente par n, number bags in loaded. Ok. Bon, nous gagnons l'idée. Il dit comment dire qui était ça, un track. Ouais, algorithme là. 50 bags have been created. Bon, fait comment dire, il y a un sac pour sortir. Il dit, mais c'est un camion. Et maximum sac qui camion là, qui va prendre, c'est 50. Et maximum weight qui va mettre, c'est 1000. Maintenant, là-dedans, il dit, nous, une line. Qui la ligne, peut garder un assignment. Bon, assignment veut dire partout, il y a un arrow. C'est un arrow là. Donc, il veut nous mettre equal to. Ça, c'est assignment. Veut dire que total weight peut assigner 1000, bag counter peut assigner 0, maximum bag peut assigner 50, maximum weight peut assigner 1000. Ça, tout ça, on appelle ça assignment. Veut dire la ligne 1, 2, 3, 4, dit assignment. Mais même que la ligne 8 avec 9, dit aussi assignment. Ça. Donc, votre réponse qui nous donne dans l'examen, voilà, 1, 2, 3, 4, 8 avec 9, c'est un assignment. Correct. Voilà. Combien de points donnez-vous dans l'examen? 4. Non, mais pour ça, tu peux un point seulement. Correct. Give the line numbers. Mais qu'est-ce bien, mettre S là. Il n'y a place, tu peux mettre tout réponse. Ok, tu peux donner tout. Pour te gagner ça un point là. Il y a S là. Line numbers. Tu peux donner 1, 2, 3, 4, 8, 9. Si tu ne peux pas mettre N là-dedans, vous pensez que vous perdez un point là. Hein? Correct. Et il y a un point. Allez, loop. Qui la ligne peut faire loop? La ligne 5 et 11. 5 à 11. Comment est-ce que ça? Voilà, regardez bien. 5 à 11. Regardez là, il met un tiré là. 5 to 11. Regardez bien comment répondre ça là. Hein? 5 to 11. Pas 5 and 11, non. Il n'est pas 5 bar 11, non. 5 to 11. Regardez bien, mes enfants là. Hein? On dirait qu'ils ont bouffé là, ils ont mis au pire du point bêtement. Counting statement. Qui ça fait avec counting? Tu augmentes par n. La ligne numéro 9. Tu veux dire augmente par n. Ça c'est counting. La ligne numéro 9 peut faire counting. Voilà. Et get total ligne. Quand tu peux ajouter weight là. Voilà. Total, c'est quand tu total plus weight. Tu peux ajouter weight là. C'est la ligne numéro 8. La total ligne, c'est la ligne numéro 8. Voilà. Voilà. Et nous continuons, hein? Espérons que ça aille. Give the line numbers of 4 errors in the pseudocode. Suggest a correction for each. Bon, qui va, il y a 4 erreurs là dans le BDT. Bon, on va remarquer, nous avons 4 erreurs. Mais qui va la ligne erreur, qui erreur là? Bon, nous reprenons la ligne bien. Pseudocode algorithm calculate the weight. Calculate the weight and the number of bags in a load of firewood. The weight in kilogram, G-bag, input. Algorithm finishes when either 50 bags have been weighted. Or as soon as the total weight exceeds. Total weight, si jamais 0. Ouais. Ouais, exact. Premier erreur, c'est la ligne N. Total weight, si jamais assign 0 au commencement. Bien bon. Ça, un erreur. Allez, deuxième erreur.
Vous pensez là, si vous avez repeat un petit. Vous pensez là, là, as soon as the total weight exceeds 100, exceed 1000, sorry, exceed 1000. As soon as the weight exceed 1000. Vous pensez là, exceed 1000. Et qu'il y a l'indien, algorithm finishes when either, dites là, ça n'a pas de problème, either 50 balles, oh, ouais, si vous avez, oh, ça me donne une erreur, la ligne 11 me donne une erreur, oh. C'est-à-dire, si ça, oh, l'Indien, 50 bags, finishes when either 50 bags have been weighted. 50 bags. Vous pensez, ça grêté là, pas si nécessaire, c'est moi, si vous avez equal to. C'est moi, grêté là, pas pour ça, non, rien, c'est equal to. Oui, il arrive au 20 ans, tu as raison, moi. Ouais, ça est rire, bien bon, troisième est rire. Il n'y a pas besoin de maximum weight ici. Il y a besoin de total weight. Sa total weight là, besoin de pas maximum. Ouais, 3 erreurs, nous bien. Allez, dernière erreur. Il y a une dernière erreur pour vous dire là. Il y a encore une erreur là-dedans. Ça, mon pote, c'est la ligne 10. La ligne 10. I put the number of bags. Hein? Ouais, dans le loop là, il s'y faisait en déo loop là. C'est d'accord, moi? Il s'y faisait en déo loop là. Allez, voilà, nos 4 erreurs, nous finissons bien là. Hein? Allez, nous avons des réponses à ce terme. Nous d'accord. La ligne N, comment il arrive, tu dis, il y a une erreur là. Tu viens à 5-0. Total weight, bien bon. Avec ça, la ligne 10 là, I put number of bags. Il n'y a pas de faire en dans loop là, pour la ligne 10, il s'y faisait en déo loop là. Ok? Off the line 10, 11. Et la ligne 11, c'est une erreur, tu dis, oh. Et comment il écrit à l'examen, hein? Qui l'a ringé là? Il y a la line number, qui est erreur, tu es là? Qui vient écrire? Et output total, oui. Allez, nous récitons nos 4 erreurs, tu es d'accord, il arrive? Une jolie question, hein? Le cerveau là travaille. Ouais. Allez, right. Ça nous finit, ça nous finit, ça nous finit. Explain how you could extend the algorithm to calculate and display average weight of bag. And firewood average, average weight of bags of the firewood. Bon, average weight, si tu as envie de faire average weight, tu as un total là. Mais tu as besoin de prendre total là, divise par. Ouais, combien de bags sinon? Bag count. Ok? Bon, si tu as besoin de mettre une variable, tu as besoin de mettre average weight, arrow, total weight divisé par bag count. Ok? On a une réponse. Voilà. Je vais dire, alors, il a ça la ligne là, tu sais bien, mais. Average weight, arrow, total weight, divisé par back count. Mais c'est moi, une affaire, une ferrière. Mais tu sais dire là-haut, average weight, ascensé, 0. Et nous sommes bien, output li aussi. Average weight, nous sommes bien, output li. Je veux dire, nous sommes bien, initialize average weight là-haut, 0. Nous sommes bien, calcul ça, average weight là. Et nous sommes bien, output ça, average weight là. Correct? On pense que je comprends. Hein? Ok, je ne peux pas faire ça. Maintenant, sa question est intéressante. Il y a une seule question que vous pouvez trouver en bas. Ça, on a fini là. Hein? 4 points. Question 4. Question 4, les bévins l'eau est très stable. Ok, elle est très stable. Il y a un W, V, W, X, Y, Z. Nous avons un output, nous avons un input là. Nous allons suivre le chart là. Et nous suivons le chart là. Il y a une affaire qui est intéressante dans le chart là. Il va servir mode. Mode veut dire remain. Remainder. Veut dire 25 divisé par 11 sur remainder combien? Bon, 11 fois 2 fait 22. 25 tiers 22. 25 tiers 22 fait toi remainder 3. Alright? Remainder pas veut dire décimal point là. Hein? Veut dire combien rester. Là, il est exactement divisible. Veut dire remainder. Correct? Bon, là, il y a input de valeur, W, X, Y, Z. Il veut dire combien de valeurs? 1, 2, 3, 4, 5. Il veut dire ça 5 valeurs là. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, il peut rentrer. W, W, X, Y, Z. Ça rentre. A avec B, c'est quoi? A avec B. A, il peut faire, il peut multiplier chaque chiffre par ce weight, mon corps. Ça aussi, il peut. Il y a un algorithme check digit, ça. Il prend.
W est multiplié par 2, 3, 4, 5. Il est multiplié par V, si V par 0. V dire ça n'a pas multiplié par D, V là multiplié par D, W multiplié par 3, X là peut multiplié par 4 et Y là peut multiplié par 5. Et Z là, mon quoi? Hein? Ouais. Et Z là, mon quoi, c'est check digit ça. Check digit là. Ok, il peut multiplier ça par ce. C'est un algorithme, le suivi algorithme là. Nous gagnons A. Bon, je vous ai fait Ali. Ok, moi, vous gagnez un fait Ali là. Il y a de prendre A, te divise par 11 et te gagne B. Et si B est égal, mets un check digit même si tu veux. Si il est égal, veut dire qu'il est valide. S'il n'est pas égal, veut dire qu'il est invalide. Veut dire une méthode de check digit, ça prend sa 4 digits là, il fait sa calcul là, après il divise par 11, et si tu gagne un remainder là, pareil comme ça Z là, veut dire ça sa chiffre qui est input là, il est correct. Si il n'est pas égal, veut dire qu'il est incorrect. Veut dire une méthode de check digit, ça nous donne un gros. Bon, il est facile, tu prends sa 4 là. Si vous faites calcul, si ce réponse vient N, veut dire correct. Reprends 4. Tu fais un calcul, si ce réponse avec check digit est correct. Tu reprends 4. Tu fais ce calcul, ce check digit vient ça. La dernière ligne, mon corps, c'est 0, tu as arrêté. Ok, what is the purpose of this flowchart? Bon, ça, mon corps, gagne un temps ferré, veut dire sa première combinaison là. Tu trouves, tu fais ce calcul, tu gagnes ce remainder N, veut dire que pour check digit est valide. C'est là, mon conseil, tu peux faire, tu pas pour gagner 6. Veut dire pour invalide. Sa carte là est au point, tu pas pour gagner sur réponse N, veut dire pour invalide. Veut dire 2 N valide, D invalide, tu prends. Et 0, 0 pour stop ça loop là pour te arrêter. Correct? Et what is the purpose of this algorithm? Il y a une check digit method. Ok? Il y a une check digit. Veut dire, tu fais 5 inputs, sa dernière là, c'est ce check digit, tu prends sa carte là, tu applies algorithm, si tu gagnes sur réponse, comment Z, veut dire invalide. Tu prends sa 4 là, tu apply, tu fais 4 là, tu apply, et si ce réponse vient 6, s'il n'est pas 6, dans le cas là, il n'est pas 6, il est invalide. Pareil, tu fais ça, tu supposes qu'il y a N, s'il n'est pas N, il est invalide. Et méthode de check digit, ça calcule, si pas, il calcule sa 4 digits là, sa Z là, c'est ce check digit. Il calcule sa 4 digits là, il est correct ou ça est incorrect. Maintenant, dernière question, là, nous allons arrêter. Il y a une question de database, on voit bien vite là-dedans. Si il y a dans le papier, il y a une question, c'est database. Là, hein? State how many fields and how many records are there. Fields, combien il y en a? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 fields. Ok, combien de records il y en a? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 records. 6 fields, 9 records. Allez, là, 6 fields, 9 records. Correct? Facile. L'autre. Dans ce cas-là, tu peux trouver le show et airline name. Head office de Bécho, des affaires de Bécho. Mais il y en a des critères, ça un critère, ça déjà un critère. Et il y a même la ligne, qui veut dire N. La ligne veut dire N. Veut dire en même temps, ça a des critères, là, bien. Le number of employees, bien moins que 35 000. Et share price, il y a plus grand que 500. Alright? Ça, il y a en même temps. Qui dit peut dire toi? Show the output. Mais qui dit pour output? Il y a output, airline name avec head office. Bon, airline name avec head office. Bon, comment te répondre ça dans l'examen? Premier, tu as le number of employees, moins que 35. Tu mets tic, 35 000, moins que 35 000. Il n'y a pas de mettre égal là. Hein? Moins que 35 000. Là, tu n'as pas mis tic. Là, tu n'as pas mis tic. Pas mis tic. Ça, tu mets un tic. Correct? Moins que 35 000, tu mets tic. Correct? Moins que 35 000 là. Et bon, là, tu sais quelque chose qu'on fait erreur. Hein? On va perdre vite. Hein? 35 000 là. Ça, toi, tu mets tic. Hein? Allez, l'autre, encore que l'inja. Share price plus grand que 500. Plus grand que 500. Là, on met tic, non? Voilà. C'est quand même dans moi. Ça m'a fait 500. Là, bon, c'est bon. Allez, en même temps que l'inja. Tous les deux, en même temps. Dans même la ligne. Ok, même la ligne veut dire en même temps. Bon, là, en même temps, on trouve ça, la ligne là. Il y a juste D. Ça avec ça, dans en même temps. Et qui l'India donne réponse airline name avec le bécheux? Head office. Pena sorting là-dedans, hein? Pena sorting. On va trouver sorting. Veut dire airline name, veut dire ça. Ça vous paraît. Veut dire chose ça. Avec head office. Là. Veut dire Koala 3 Australia. Et l'autre là qui était ça?
Sky King, Euro. Sa di lagi pusho. Saban number of employees la pa pusho, hein? Avec share price pa pusho. Voilà. Correctement, la France est capable de faire ça, hein? Correct là, partout gold. Eh, non, vite, ne termine ça pas pire là. Ça, correct. Dernier. Pourquoi dernière question là, hein? Dernière question, on finit là. Allez. Dernière question. Grid. Find every airline, Tuman airline, with a head office in Asia or Africa. Correct? Or, hein? The head office est capable Asia or Africa. N, en même temps, N. The number of countries greater than 4. Number of countries greater than 4. N, N, pas O. L'Ibsa show airline name. Avec l'Ibsa show number of countries. Allez, allez. Il est facile. Airline name, tu trouves, il show. Ouais, il show. Et number of countries, il show. Ça dit la plastique. Et qui l'indique à toi? L'indique à toi, l'Ibsa. Soit countries, number of countries, dit. Non, non, non. Dis à toi. Attendez. Asia. Ou bien Africa, non? Oui. Dis à Asia ou bien Africa. Mais seulement si l'Asia. Number of ça, dis à plus grand qui 4. Number of countries, dis à plus grand. Si Africa, number of countries, dis à. Il y a dit là les N. Ça dit là les N. Mais seulement entre Asia et Africa, dit O. Mais dire ça dit là, tu devrais dire N la ligne, et ça une autre possibilité. Voilà, ça possibilité là, et l'autre possibilité. Mais je peux raison comprendre, on arrive à la fin de sa passe-là. Mopé. Stop sa recording là. C'est moi avant, stop sa recording là, moi tu peux avoir les autres. Mopé, cher. Moi j'ai envie de chercher une affaire avec eux en cours. Papier vendé. Sur question pour vous êtes travail dans cette vidéo là. Ok, je vais ça comme homework. Vous êtes bien dans vos vidéos, il y en a beaucoup qui sont pour vous travail là. Hein? Voilà. On va chercher ça aussi avec eux. Allez là. Correct, on va les recodes ça. Hein? Caraguette. Voilà, on va aller doucement, on va recoder. Le target vidéo là, je voulais avoir une question, je vais travailler, je vais faire screenshot, travail. Ouais, on va arriver doucement, on va recoder. Espérez, je vous pose, je vous gagne. Okay, c'est bien pour la prochaine classe, il y a assez de voix là. Il y a vraiment des voix tous les deux. Ok, vidéo, record, stop. On vous dit à tous.